La semaine continue. Mardi après-midi, Valérie se rend à la plaine de jeux version primate. C'est l'île des Lémuriens. Cette famille de Makikata adore jouer. Ils sont vraiment très très drôles à certaines périodes de la journée. Ils ont des moments de la journée où ils font vraiment les petits fous, ça court dans tous les sens, ils sautent de branche en branche. Ces petits farceurs recherchent constamment le contact et le public est séduit, surpris aussi. C'est fascinant de les voir jouer les uns avec les autres et parfois avec le public. Voilà, bonjour à tout le monde et bienvenue sur Nausicaämba, le territoire des Makikata. Alors, je vois qu'il y a des enfants, vous allez m'aider. Est-ce que vous auriez pas déjà vu ces animaux dans un dessin animé ? Madagascar. Alors pourquoi ? Parce que les Lémuriens sont originaires de l'île de Madagascar. C'est d'ailleurs le seul endroit au monde où on peut les retrouver. Ce qui me fascine chez ces animaux, c'est leur comportement. Voilà, l'interaction et toute l'intelligence qu'ils ont, tout ce qu'ils peuvent nous apprendre sur nous-mêmes. Alors, je vous présente un des petits de cette année. On en a eu 5 qui sont nés le 23 mars. Alors, en général, les femelles, elles ont un petit par portée. Après 2, c'est pas extraordinaire, ça arrive de temps à autre. Cette année, on a eu une fois des jumeaux et 3 portées d'un petit. C'est l'heure du goûter pour les Lémuriens. Sur le territoire de Nausicaämba, ce sont les dames qui font la loi. Il faut savoir que chez les Makikata, ce sont les femelles qui dominent. Chez vous aussi, mais voilà, ça m'étonne pas. On rigole toujours bien pendant les nourrissages parce qu'on fait toujours un peu le parallèle avec les êtres humains. Donc ce sont les femelles qui dominent et c'est principalement une femelle dominante qui va plutôt gérer le groupe. Après, ça peut évoluer, ce ne sera pas toujours la même femelle. Et ce sont donc les femelles qui vont décider de qui va manger en premier, forcément sont-elles, les petits et les jeunes des années précédentes. Une maman italienne qui protège ses petits et les mâles, c'est après. Les mâles mangent certes après les dames, mais il ne faut pas pour autant s'inquiéter pour leur forme. On voit à leur embonpoint qu'ils n'ont besoin de rien. Il est l'heure à présent de la sieste. Les Makikata se dorent la pilule. En malgache, lémurien signifie d'ailleurs « adorateur du soleil ». D'autres, par contre, profitent de ce calme apparent pour jouer aux petits voleurs. Au fur et à mesure, je me rends compte qu'ils sont de plus en plus malins. J'en ai surpris 2 qui ouvraient carrément la tirette d'un sac parce qu'il y avait une banane. J'avais posé pour photo, mais voilà. Mais je préfère faire doucement parce que... Oui. On ne se dispute pas. Chapardeurs mais adorables, les lémuriens restent dans le top 5 des animaux préférés des visiteurs. Mais franchement, ce que je dis, c'est les stars du parc. Ah bah oui, moi... c'est vous qui... Moi forcément, ce sont mes stars aussi. Hein.